Salut à tous, bienvenue dans une vidéo de seconde mathématiques sur les racines carrées, la partie 1 sur 2. C'est parti! Alors, tu dois absolument connaître que racine de 0 égale à racine de 1, racine de 4 est égale à 2, racine de 9 est égale à 3, et racine de 16 égale à 4, racine de 25 égale à 5. Pareil avec 36, 49, 64, 81 et 100. Voilà, tu dois connaître les 10 premières racines. Tu vas avoir des propriétés de calcul à connaître. Donc racine de A plus racine de B, ce n'est pas la même chose que racine le tout sur A plus B. C'est-à-dire, un exemple, racine de 16 plus racine de 25. Racine de 16, on a vu que ça faisait 4. Racine de 25, on a vu que ça faisait 5. Donc 4 plus 5 égale 9. Alors que racine de 16 plus 25, eh ben, ça fera 6,4. 9 est bien différent de 6,4. Par contre, propriété à connaître sur de manière racine de a fois racine de b est égale à racine de a fois b. Exemple, racine de 25 fois racine de 36, ça fait 5 fois 6, 30. Et racine de 25 fois 36, ça fait 900. Racine de 900, ben ça fait 30 aussi. Donc on a bien une égalité. Autre formule avec ce coup-ci la division, racine de a sur b est égale à racine de a sur racine de b. Exemple, racine de 16 sur 4 égale à racine de 4 et ça fait 2. Racine de 16 sur racine de 4 est égale à 4 sur 2, et ça fait 2. 2 est bien égal à 2. Attention, ne jamais écrire un nombre négatif sous un radical. Racine de moins 2 n'existe pas. Prochaine vidéo, ça va être des exemples d'exercices dans un devoir de seconde. On conclut la première partie et on se retrouve bientôt dans une deuxième partie. Abonnez-vous.